me sent a perdu son procès à Paris contre Nadège Mbappa. Ça a été jugé nul et non avenu. Ça c'est clair. Il y a des choses qui passent inaperçues. Et je dois vous dire. Ça c'est clair. Je suis là pour vous donner les informations. Ça c'est clair. Vous comprenez non? Parce que quand les gens vont porter plainte, ils font le bruit. Ça c'est clair. Mais quand on donne le verdict, ils cachent ça. Je te dis que hein. Quand ils partent porter plainte, on est assis sur nous maintenant, sur Facebook. Ah wow. Mais quand ça crie là-bas. Il vient pas nous dire. Ça c'est clair. Moi j'ai les documents de la décision du juge à Paris. Ah wow. Mais ça n'est parti porter plainte à Paris. Ah bon? Et pourquoi? Pour diffamation, pour insulter sur Facebook, pour ceci, pour cela. À Nadège Mbappa. Quand on va porter plainte là, mais ça n'est pas, il a laissé la Suisse. Hein. Porter ses pieds, aller porter plainte en France. À Nadège Mbappa. Ah bon? Et pourquoi? Insulte, diffamation sur les réseaux sociaux, n'est ceci, n'est cela avec sa femme. Ouais! Ils sont arrivés là-bas. Ça cuit là-bas. Est-ce qu'il a mis le verdict sur sa page? Non, non, non. Moi j'ai le verdict, je vais vous montrer sa pian. Attention oh! Parce que. Donc moi je me pose la question, le père là. Mais qui est-ce qui peut gagner un procès à quelqu'un ici? Je m'interroge! Mais ça peut gagner quelqu'un dans un procès. Je m'interroge! Un papa insulté comme ça, quelqu'un qui insulte les parties génitales des femmes, qui a le courage de sauter les. Aller porter plainte aux gens en France. Ah oh maman! Non mais attendez! C'est quoi ces histoires? Moi je comprends pas. Un papa insulté. Qui tu connais pas Jansan? Attends, montre ta photo. Hey! Tu connais pas Jansan? C'est le seul que Jansan a refusé, meuf. Sa photo est vous-même. Je m'interroge! Voilà, le voici. C'est pas Jansan. C'est le seul que Jansan a refusé. Il force, ça ne donne pas. C'est lui ici là. Il s'appelle pas Jansan. Ouais! Il est parti porter plainte en France. Ça l'a dépassé. C'est pas possible. C'est obligé. J'ai le verdict. Commençons, on va pas contourner. J'ai te dit que. Attendez, je passe sur ma page. Passez le verdict. C'est le gros verdict. Hein. Je vais vous lire l'essentiel du verdict. C'est ici là. Bon, ça c'est la décision de la justice ici là. La décision finale. Hein. Attendez, lis bien. Enlève mes lunettes. Je ne lis pas bien mes lunettes. Hey oh, 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 oh. On dit que par ces motifs, droit à l'essai, par jugement, déclare nul la situation délivrée. C'est nul. Nul. Nul de la situation délivrée le 7 février 2022. Il est allé porter plainte en France. Le 7 février 2022, à Nadège Mbappa, pour insulter sur les réseaux sociaux. On va lire ensemble. Parce que quand il a porté plainte, on n'était pas là. Maintenant, quand le verdict sort, il ne vient pas dire non. Je te dis que. Nous, on va dire. Nous, on va dire ça, Pierre et Pierre. Ouais. Ça, c'est clair. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît. Voici ça. Copie de travail. C'est ça ici là. Comme ça, j'ai dit, vous savez que c'est vrai. Attention oh. Copie de travail. Mais sans Jean-Louis. Dit qu'on s'en maquille ta Marie Star. Ouais. Contre Nadège, Bapa Nadège, Nicole. C'est les réseaux. Allez sur la page de Nadège, Bapa. Il y a ça là-bas. Il y a ça là-bas. Moi, je suis allé prendre ça là-bas. Il dit qu'il a notifié par huissier. Marie, Dikoso, Makita et Jean-Louis me sent. Première chose que je remarque, mais c'est un couple, vous êtes marié, non? Non, 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 c'est pas vrai. Pourquoi l'autre a son nom, l'autre a son nom? Moi, je ne comprends pas la partie là. Ah je vois dans la décision, j'ai remarqué quelque chose. J'ai dit, mais attends, mais c'est un couple qui porte plainte. Moi, je suis marié ici. Je porte le nom de mon mari. Je ne sais pas. Ils se sont mariés en Suisse ou en Allemagne, je ne comprends même pas. Il dit, vous qui êtes les Allemands là, quand on se marie, on ne prend pas le nom de son mari. Je m'interroge. Je ne sais pas. Enfin, dites-moi. S'il y a les gens qui vivent en Allemagne, là, dites-moi. Parce que dans le truc, tu vois d'abord que c'est deux personnes différentes. Ah oh maman. Alors que sur le net, là, on ne l'explique pas. Complet des jumelles, complet de ceci, complet de cela. Même porter les noms, vous deux là, ça vous dépasse. Je m'interroge. Porter les noms. Ça, c'est clair. Vous êtes mariés, non? Moi, je vois ici deux personnes sur le poste, sur le truc. Je vois Messan Jean-Louis, Diposo Makita, Marista. Donc, c'est deux personnes sur le problème de Nadège Mbappa Nicole. C'est là deux noms différents. Ça, c'est clair. Alors que vous êtes couple. Moi, je vois que tous les couples, ça devait être couple Messan contre Nadège Mbappa. Ça, c'est clair. Dites-nous, vous êtes mariés ou pas? Je m'interroge. Ah, ouais, demain c'est mal, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas marié. Moi, je ne parle pas des choses qui ne sont pas. Hey, non, 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 je ne veux pas encore qu'on m'amène au tribunal. Je pose juste une question. Vous êtes marié? Ok, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Je fais juste une remarque. Hein? Ce n'est pas obligatoire de prendre le nom de son mari en allemand. Ah, d'accord. Ok,
Mais si pas tu mets ensemble mes sangs. Si, c'est ça partout, c'est la chose qui met mes sangs. Pourquoi quand on se marie, on se marie, on porte les mêmes noms. Ça, c'est clair. Hein? Donc, pour l'acte de mariage, ce n'est pas obligé. Mais sur Facebook, là, on nous fatigue les oreilles. On nous embrouille les oreilles. Ngo coupe la gauche, ngo coupe la droite. Attendez. Donc, c'est maintenant, on n'est pas obligé de porter les noms. Hein? Ah, ok. J'ai seulement demandé. Ah! Oh, maman. Je n'ai pas assumé quelque chose. Parce que moi, je vois, on nous dérange. Hein? D'accord. On va lire le problème. Voilà ça ici. C'est sur la page de la journée. Si vous voulez bien lire tout, je ne peux pas tout lire le procès. Par acte judiciaire du 7 février 2022, Marie Dikosso Makita et Jean-Louis Messin ont fait citer Nadège Mbapa devant le tribunal au visa de l'article 23-25, voilà, en cas de délit de diffamation publique commis le 6 décembre 2021 à l'encontre de Marie Dikosso Makita et Jean-Louis Messin et d'injures publiques commis le 6 décembre 2021 à l'encontre de Jean-Louis Messin. Jean-Louis Messin a porté plainte à Nadège Mbapa d'injures publiques d'art. Hey! Ho, 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 ho. Astafoulaye. Jean-Louis Messin a porté plainte à Nadège Mbapa pour insulte publique. Quelqu'un qui a insulté mes parties génitales ici là. Qui a insulté mon pauvre mari sur la chaise roulante ici. Qui passe des heures et des heures à m'insulter, ouvrir les antennes pour insulter les parties génitales des femmes. Avec sa femme qui est derrière la caméra. Vous portez vos pieds, vous laissez l'Allemagne, vous partez porter plainte loin à Paris là-bas. Pour insulte publique. On va dire ce que Nadège Mbapa avait dit. On va pas dire que le procès c'est long. C'est clair. Il y a un juge public. Citation de l'ancien ministère public le 10 février. Voilà, on va passer beaucoup de choses. Lors de l'audience du 2 juin 2023. Il y avait d'abord une audience le 2 juin 2023. Le tribunal s'est prononcé en premier lieu sur la demande de renvoi formulée par le conseil des parties civiles qui faisait valoir qu'elle n'avait eu communication des conclusions de nullité du ministère public. Et le jour de l'audience, cette tardive était commandant au renvoi pour qu'elle puisse y expliquer. Donc on avait renvoyé d'abord l'affaire. Bon, allons sur la deuxième page parce que je ne peux pas tout vous lire. Voilà. Bon, lisons ce que Nadège Mbapa avait dit. Voici ça ici là, vous pouvez aller. C'est en grand. Je vais vous lire ce que c'était. Bon, dans la vidéo que Nadège Mbapa avait fait, qu'on a amené au tribunal là, elle avait dit que me sang insulte les gens, me sang. Traite les gens de voleurs sur les réseaux sociaux. Alors que lui-même, il est le premier voleur. Parce qu'il avait volé l'argent de RDPC. Non, elle n'a pas dit ça. Et Nadège Mbapa a dit que c'est lui le premier voleur. Et que sa femme est une prostituée. Moi, je lis ça ici. Hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis ce qui est ici. Que Nadège Mbapa a dit que Messan accuse les gens de voleurs sur les réseaux sociaux. Alors que c'est le premier voleur. Ouais. Parce que le RDPC l'avait dit qu'il avait volé l'argent. Bon, ça, c'est moi qui ai dit. Je n'ai pas dit ça. Elle n'a pas dit ça dans le tribunal. Et que sa femme traite les gens de prostituées alors que c'est la première prostituée. Oui. Nadège Mbapa avait aussi dit que. Que sa femme fréquente les réseaux de prostitution. C'est ce que M. a laissé plein de là-bas. Moi, il lit ce qui est ici. Il lit ce qui est ici. Il a rencontré sa femme. Que Nadège Mbapa a dit qu'il avait rencontré sa femme dans une maison de Nana. C'est ce que Nadège Mbapa a dit. C'est sorti, non, c'est écrit. Et que c'est en se promenant là-bas qu'il a rencontré Sanga. Dans le Nganda, en Allemagne. C'est ce que Nadège Mbapa avait dit. Sachant que Mme Dikosso Makita, qui était de prostituée, dont la femme de M. accuse Nadège Mbapa que. Voilà. Qu'elle a appuyé sur les réseaux sociaux. Voilà. Infraction, injure. Voilà, maintenant. Et puis, Nadège Mbapa avait dit que. Mais ça, bon, il se plaint que Messan, que Nadège Mbapa l'a traité de boulot d'or. C'est qui le sangro? Allez, il a fait un bruit de riz. Il est parti au tribunal parce que Nadège Mbapa l'a traité de boulot d'or. Moi, mais t'es dit ça, boulot d'or, bien, et puis rien. Tu es un boulot d'or, tu vas pas, toi tu remplis ta télé, c'est son manque. Tu remplis ta télé. Ouais. Tu vois ça? Je vais te montrer quelque chose. Attendez. Mais je vais porter. Quand tu portes plainte aux gens, mon frère. Quand tu portes plainte à qui? Te voici. Et son voit ta télé. Te voici devant ta télé, son voit ta télé. Tu remplis ta télé. Te voici. Est-ce qu'on voit ta télé? Rémi, on avait dit ça ici, qu'on a dit. Rémi, on avait dit que c'est toi qui remplis ta télé. Que tu as fait une petite télé, tu es gros comme ça là, c'est toi qui es debout. Assure-toi un peu. Hein? Te voici ici là. C'est pas toi qui remplis la télé là. C'est toi là, non? On voit ta télé. Quand même. Est-ce qu'on a menti? Nadège Mbapa a dit que tu es un boulot. Attendez, je repars. Je ne pas. Hey, je veux vous lire ça, maf. Je ne laisse pas. Je vais lire ça. Parce que quand il a porté plainte, il est venu dire ça ici. Quand le résultat sort, il faut qu'on me dise. Aussi. On ne dit pas pourquoi. Je vais dire. C'est sur les réseaux sociaux, non? Je suis allé chercher quelque part. Et c'est au tribunal. C'est venu me trouver. Il dit que. Ah, maf. Nadège Mbapa l'a pas raté. Il dit que. Il est facile parce que Nadège Mbapa l'a traité de boulot d'oc. Et qu'il est un homme de haine. Il n'est rien. Et que c'est un sans calisson. Que me sent un boulot d'oc. Que me sent un radin. Un commandeur. Un mendiant. Un sorcier, un petit personnage, un tiré. Oh, cette pitié est incroyable. C'est ce qu'il a écrit. Il est parti écrit tout ça. Il a donné au juge. Que Nadège Mbapa a dit ça sur Facebook. Qu'on est assis là. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il est parti se plaindre là-bas. Hein? Quand il a fini de dire tout ça, on a rempli les feuilles. Écrit. Écoutez les deux parties. Écoutez. Je vous lis la décision finale. Yes, mon frère. Hey. Bienvenue à Océan Décor pour tous vos problèmes de staff 3D, staff simple, la peinture, l'habillement mural,
Océan Décor a mis à votre disposition pour vous satisfaire une équipe de techniciens dynamiques et qualifiés. Moa, Océan Décor peut aussi transformer votre vieille maison à une maison neuve. Chez Océan Décor, vous pouvez aussi vous inscrire pour une formation en staff 3D, staff simple, la peinture et l'habillement mural. La direction de Océan Décor est basée au carrefour Kombi à Douala et répond au téléphone 00237 675 72 81 et 68. Chez Océan Décor, la beauté de vos locaux, c'est notre travail. J'ai enlevé mes lunettes. Voici la décision finale, je fais ça en gros. Voici la décision finale, c'est marqué en caractère. Voilà ça, je vous lis ça. Par jugement contradictoire. Hein? En France. Oh. Vous êtes 1000. 20. Faites-moi 20 partages, regarde quoi. Les choses arrivent. Vous n'allez pas voir la promotion de Zomobem. Les choses arrivent. Faites-moi 1000 partages, mettez dans les groupes. Il faut que le Cameroun sorte, mettez ça dans les quartiers. Et mettez ça partout parce que quand il a porté plainte, c'est lui qui a mené ça sur les réseaux. Quand il paie le procès, il faut aussi qu'il vienne dire qu'il a perdu. Mais comme il n'a pas dit, nous on va dire. Ça c'est clair. Par jugement contradictoire. Fait droit à l'exception de nullité. Déclare nulle la situation, la citation délivrée le 7 février 2022 par Marie Dikoso Makita et Jean-Louis Messang à la deuxième papa. Oh maman. Tais-toi mort. Ouais. Je dis ça en français du quartier. Ces histoires sont nulles et non avenues. On applaudit pour qui? Pour la deuxième papa. La justice en France a dit que c'est nul et non avenu. Et qu'il porte le gros pied, il rentre en Allemagne, qu'il ne dérange pas les gens. Ouais. Est-ce que la juge a dit non? La juge a dit que c'est nul et non avenu. Ouais. Voilà quelqu'un qui passe son temps à insulter la terre et les femmes. Il a le courage d'amener quelqu'un au tribunal. Ouais. Quand j'ai dit que le juge lui me comprend, moi je ne suis pas, hein, je ne prends même pas l'avocat. Il y a tout sur les clés USB. Moi j'arrive, la seule chose que je veux demander au tribunal, c'est qu'on me mette un écran géant dans la salle. C'est pas compliqué à faire. On met un écran géant. Je dis à mon avocat que demander qu'on prenne deux jours. Les deux jours là, on va le regarder. Je suis assis, je ne dis rien. On va l'entendre insulter les parties génitales de la femme. Je pense que même les juges là auront mal à la tête. Les juges là auront mal à la tête. On ne discute pas, tu ne parles pas beaucoup. Tu demandes seulement un, tu demandes, tu poses la clé USB. Ça joue, ils entendent. Tu ne parles pas loin. Ça joue, ils entendent ce qui sort de sa bouche. Concernant les femmes. S'il va sortir du tribunal là, tu vas condamner même. Elle qui va amener quelqu'un un jour, c'est lui qui va sortir, elle va condamner. Il a la chance que dans la chute, la fin Nadège Mapa, il est sorti de là avec juste une unité. Il devrait te condamner. Mais il va se plaindre au tribunal que Nadège Mapa l'a quitté le boulot d'or. Mais tu es quoi? Tu es quoi? Tu es un boulot d'or, c'est tout. C'est la vérité, tu es rempli, tu es rempli, c'est quoi? Tu fais quoi sur les réseaux sociaux? Tu es un boulot d'or? Point. Tu pars au tribunal, tu traverses les pays pour aller porter plainte aux gens en France? On t'a traité de boulot, on t'a traité que tu as rencontré ta femme à Longanda. Mais tu n'insultes pas ici là. Mais il m'a pas dit que tu as rencontré ta femme à Longanda. Et puis est-ce que ça a chauffé? Ça chauffe pas. Ouais. On ne pleure pas sur Facebook, on ne pleure pas. On ne pleure pas, on ne veut pas les pleurer ici. Donc toi là, on peut t'insulter, tu pleures. Ouais. Toi le champion des insultes, quelqu'un qui part se promener aux États-Unis. Il part se promener aux États-Unis avec sa pauvre famille. Il prend 9 heures de son temps pour qu'on m'insulte. 9 heures. T'as vu que je pars au travail, je reviens, je me couche, le monsieur en direct. Petite terrasse comme ça, tu pars en vacances, tu pars encombrer les gens en cheveux parce que tu veux faire les directs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous respectez? Tu n'es même pas dans un hôtel. Non, promène-toi avec ta famille. Promène-toi avec ta famille, nom de Dieu. Tu pars aux États-Unis, tu laisses, tu pars là-bas 9 heures de temps. Le nom de la baronne. Merde. Est-ce que moi, je suis calme, j'attends. Moi, est-ce que je te porte pas plainte? Parce que le moment que je devais te porter plainte, c'est quand tu avais insulté mes parties génitales et tu vivais en Suisse. Ça, c'était vraiment ce moment que je pouvais te porter plainte. Je ne l'ai pas fait parce que je me suis dit, sur Facebook, ça va. Je laisse tranquille. J'ai dit que ma bouche là, ça peut répondre. Et ça a répondu. C'est tout. Mais tu n'as pas le droit d'aller porter plainte aux gens. Donc, je voulais dire à tout le monde que ce monsieur a perdu son procès en France. Ouais! Je ne vais pas la chicoter au tribunal. Ouais! Quand il avait fait le bruit qu'il a porté plainte, il vient aussi vous dire qu'il a perdu. Mais il n'est pas venu vous dire. Mais moi, alors, comme je suis radio toi, je viens vous dire qu'il a perdu. Nadège ne va pas l'insulter, Bouloudon, et ça ne va nulle part. C'est tout! Et nous, les juges, on dit qu'on fout aucun. On n'a pas les choses à faire. Mais on m'a insulté, Bouloudon, et tu n'es pas Bouloudon. Oh mon frère! Mais oui, elle m'a accepté de que je mets la laque sur ma tête. Le juge a dit que la laque, c'est quoi? Oui, vraiment, elle a dit que je blanchis mes cheveux, je mets la laque sur ma tête, et puis ça fait comme si j'étais jeune. Le juge a dit que ça fait quoi? C'est quoi? Le juge a dit que c'est quoi? Elle dit non, c'est la peinture. Alors c'est une insulte. Est-ce qu'elle ment? Est-ce qu'elle ment? Elle a dit que vraiment, elle a insulté que je mets trop l'huile et ça ne prend même pas les doigts. C'est l'ondiance, ça ne prend pas. L'ondiance est rouge ici, c'est jaune là-bas, et puis c'est pour ça qu'elle m'appelle Bouldon. Le juge a dit que c'est une injuste, ça.
Et c'est quand on regarde, tu n'as pas mis la laque. Si. C'est ça dérange. Moi, je blague, moi, je sois mes cheveux, non. Il y a quoi? Que, on t'a insulté que le garçon n'a pas pu t'appeler. Mais c'est vrai, ta couleur maintenant, tu es violet. Est-ce que le juge m'a dit, vois, quand le juge te regarde, puisque le procès a duré sur 2 ans, c'était en 2022, le truc est, vous êtes passé au tribunal, la dernière fois au tribunal, tu n'es même pas venu, tu as fui. Oui, le dernier truc qu'on a vu, nous était là, tu as fui, parce qu'il fallait payer l'avocat, il fallait payer l'avocat, tu as fou, tu as pimpé. Donc tu dis juste que, oui, mais elle a dit que je mettais l'huile et tout. Le juge dit que, mais attends, la dernière fois que tu t'es passé ici là, tu étais blanc, tu es revenu en 2022, tu es un peu marron. Il est le problème? Qu'est-ce qu'elle a menti là? Parce que le juge dit, oui, le juge me dit, mais est-ce que c'est la même personne? Parce qu'en 2021 là, il était bleu. Quand ils sont repartis pour le truc, il était la même noisette, il avait cassé lui. Mais le juge, c'est la même personne. Non, c'est la même personne. C'est la même personne, monsieur le juge. Non, c'est la même personne. C'est la même personne. Rien n'a changé. C'est lui. Naï. Naï, n'a pas un Jansan. Naï. Il sauf que ce qui est donc changé color, because of Jansan. Jansan est donc ton so, et ça n'a pas donné. So, juge, n'a simple personne. Troisième fois pour le juge. Il a vu que le juge allait voir que la couleur la même derrière, c'est la violet, il n'est pas venu. Il n'est pas venu, hein. Pour donner le truc. Moi, j'ai fait mes enquêtes. Le dernier pour le verdict final. Puisque la dernière fois, le juge avait dit que la couleur donc ton sauté, c'est la même personne. Troisième pour donner le verdict, on dit que bon, maintenant viens, on va dire si Nadine n'a pas tort ou tu as raison. Maf. Il est venu. Il a fui. Ouais. Il a fui, il a laissé ça, Nadine, pas prendre les mains. Le juge a dit que mais il fait alors quoi? Il était bof. Allez là-bas, loin. Tchouk, boule donc. mais ça va le résultat depuis qu'il a pu la cacher. S'il avait gagné, est-ce qu'on allait respirer? Comme il a perdu, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Moi, je passe, je vois le truc du crime. Il dit que, mais c'est quoi ça? Donc, on a gagné le pays, il n'a rien dit. J'ai dit que non, on veut parler de ça. Ah, moi, je veux parler. Je veux parler, mais je ne sais pas si je vais le dire, c'est pas le travail. Mais ça, l'avait dit quand même. Donc, le monde entier doit savoir. Mettez ça dans tous les groupes. Targuez tout le monde. Mais ça a perdu son procès à Paris pour diffamation contre Nadège Mbappa. Ça a été jugé nul et non avenu. Donc le juge a dit que si on te suit de boudon, ça ne va nulle part. Et puis c'est tout. Ouais. Et que si on te suit que tes cheveux, tu mets la laque, tu mets les couleurs, ça ne va nulle part. Ouais. Et que si on te suit que ta ligature dans le Ghana, ça ne va nulle part. Ouais. C'est ce qu'on a dit. Ouais. Ça ne va nulle part. Donc Nadège Mbappa, elle s'assoit et dit que ta femme, tu l'as rencontré dans le Ghana. Tu prends l'eau, tu bois. C'est tout. Et ça descend. Il y a quoi? Tant que tu ne suis pas les gens, moi, la laisse suite à ses pieds. Quand elle dit que tu as rencontré ta femme dans le Ghana, ça fait quoi? Ce n'est pas un problème. Ça fait quoi? Et c'est une insulte. Quand elle est une insulte, c'est une insulte. On dit à quelqu'un, quand tu es le chef insulteur, tu les réseaux sociaux, tu insultes toutes les femmes. Il n'y a pas de femme que le monsieur l'a insulté. Il porte ses petits pieds maigres là. Il traverse les frontières, il n'a pas porté plainte en France. Il croit qu'il est au Cameroun ici. Il arrive là-bas, on dit que, elle m'a traité de Boleda, elle m'a traité de ceci, elle m'a traité de cela. Le juge a dit alors, allez, vous sortez là-bas. Allez, vous voyez les gens ici. Facebook, Valetiret, Twitter, Valetiret, Instagram, Valetiret, Maman YouTube, Valetiret, Facebook, Valetiret, Twitter, Valetiret, Instagram, Valetiret, Maman YouTube, Valetiret. C'est mon directo, je fais avec mon téléphone, c'est mon direct, je fais avec mon iPhone, c'est mon directo. Je veux avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel et tout, fais le direct. Petit pays, fais le direct. Longue, fais le direct. Fleur de Lille, fais le direct. La reine galloise, fais le direct. Même ma grand-mère, fais le direct. Fais le direct, fais le direct. Filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, ah, hey, maman, selfie, hey, selfie.